Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Les aventuriers. Oh, regardez, ça continue là aussi. Effectivement, c'est un peu effacé par le temps, mais on la devine très bien. Ouh, mais c'est sûr, les amis. Que voudrait dire la prophétie de la ligne s'il n'y avait pas de ligne? Bien dit, Tigrou. Évidemment, vu comme ça, c'est logique. Bon, on va la suivre, cette ligne, ou on va discuter toute la journée? Là, elle passe par là. Oh, je m'amuse comme un petit fou. Ah, elle se sépare en deux à cet endroit. En fait, cela délimite quelque chose sur le sol. Un espèce de... Carré! C'est le contour de... La pyramide suprême. Bon, où est l'entrée? Il faut que je la fasse sauter. Un peu de délicatesse, cher enfant. Oh, et ces Ovitos qui ont volé mon dirigeable. J'avais laissé mes chaises dedans. Mais pourquoi auriez-vous besoin de chaises, professeur? Et c'est parce qu'en termes de pyramide, Fate veut profiter de sa suprême assis. Oh non, Denis. Mais non, voyons, c'est pour écouter votre show. De quoi? Ouh, et quel est le point commun à toutes les pyramides que vous avez visitées jusqu'ici? Tu veux dire par leur forme, Tigrou? Ou le fait qu'elle soit alignée? Ou bien qu'elle soit en je sais plus quelle roche de crustacé, là. Va. Oh, bon sang, mais c'est bien sûr la musique. Les Ovitos. Ah ouais, la musique. Ah ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh non. Oh, attendez, je vois où vous voulez en venir. Oh non. Oh, ça va aller, je pense, on a compris. Indy, cette sirène au Japon. Je t'assure, il s'est rien passé entre elle et moi. Mais non. Tu as dit qu'elle chantait. Ces paroles, je les reconnais. Elles étaient sur le parchemin d'Atoutis. Et Tigrou, il les connaît lui aussi. Exactement. Oui, tu veux que... Ça ne coûte rien d'essayer. Tigrou, tu es prêt? Ouh. Dundee, Flagada? Oh, ouais. Oui. Zalim et Fate, je compte sur vous. D'accord. Aussi. D'accord. J'adore. En suivant la ligne, en suivant la ligne, en suivant la ligne, en suivant la ligne, vous trouverez la vérité. En suivant la ligne, en suivant la ligne, en suivant la ligne, vous trouverez la vérité. En suivant la ligne, vous trouverez la vérité. En suivant la ligne. La momie maléfique revit, personne n'en avait fait le pari. Il existait pourtant une prophétie. Il existait pourtant une prophétie. Les aventuriers, professeur Fate. La momie maléfique revit, personne n'en avait fait le pari. La pyramide. Waouh, elle se soulève du sol. Oh, c'est comme si elle bondissait, mais au ralenti. C'est presque aussi beau qu'un dirigeable qui s'envole. Ah, je dois avouer que c'est une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Après tout alors. Regardez, la porte bouge. On dirait que quelqu'un va en sortir. Hey, j'espère que cette fois, ça sera une momie sexy. Ah. Oh, je vous salue, aventurier. Mais c'est... Sarasvati. C'est pas une momie, mais elle est très jolie. Sarasvati, la déesse hindoue des arts et de la connaissance. C'est l'un de mes nombreux noms. Je vous félicite. Mais ça fait longtemps que vous vous attendez à l'intérieur d'Uluru. Vous devez avoir grave envie de faire plein de trucs. Vous voulez que je vous prête une carte? Je te remercie de t'inquiéter, vaillant aventurier. Je n'ai pas eu conscience du temps qui passait durant ces 8000 années où le froid m'a maintenu dans un sommeil prolongé. Mais pourquoi vous avez pioncé aussi longtemps? Dundee, je suppose que cela a à voir avec le secret le plus gardé de notre civilisation. Exactement. Et j'attendais avec impatience que vous arriviez, mes amis. Laissez-moi vous expliquer la prophétie de la ligne.
Il y a 8000 ans, j'ai été envoyé par mon peuple sur votre planète. Oh, vous n'êtes pas de ce monde. Je viens de la planète Solercia, la planète des arts. Ma mission était d'apporter sur votre terre l'esprit de la musique au début de votre civilisation. Oh, l'esprit de la musique. Le secret le plus gardé de notre civilisation. Celui qui redonne le sourire aux plus tristes. Celui qui peut faire pleurer les plus forts. Celui qui nous accompagne jusqu'à la mort ou qui sait parfois nous rappeler à la vie. L'esprit. L'esprit de la musique. Ah, et c'est vous qui avez apporté les musiques ici? Ah non, parce qu'il y en a certaines... vous auriez pu vous en passer, quoi. Je n'ai pas apporté les musiques, seulement leur esprit. Oh. Vous êtes de ceux qui ont su l'apprivoiser pour créer, imaginer et composer. Ouh. Mon seul rôle était d'inspirer, puis d'enregistrer vos mélodies au cours du temps grâce à nos collecteurs. Les pyramides, ce sont des collecteurs de musique? Exactement. Vous n'avez pas senti leur pouvoir? Qui amplifie l'esprit de la musique quand on s'en approche. Et c'est pour ça que tout le monde chante depuis le début de cette aventure. Certainement, Dundee. C'est en tout cas ce qui m'a attiré dans le temple avant que Venivel... Et vous en êtes devenu le gardien, joli tigre. Ouh. Ah, comme la sirène. C'était certainement le cas de cette pauvre momie qui a fini en pâté pour crabe. Et la prophétie? La prophétie annonçait l'arrivée d'un groupe qui, guidé par l'aventure... Porté par la ligne, c'est nous. Trouverait la vérité, me réveillerait et me rejoindrait dans mon voyage de retour. Mon peuple a hâte de découvrir, d'écouter et de danser sur les airs de votre planète. Oh. Une nouvelle aventure dans l'espace. Mais on signe tout de suite, déesse hindoue. Enfin, dès que je saurai le faire. Une aventure spatiale avec ma déesse, aux embondis de plaisir. Tate, je vous ai fait perdre votre dirigeable. Laissez-moi vous accompagner à bord d'un autre vaisseau volant. Eh bien, mon cher Jones, je dois vous avouer que je suis très tenté. Un nouveau départ, de nouveaux amis et un nouveau monde. Je ne vois pas qui pourrait dire non. Lara? Je... Lara? Lara? Eh bien, cette aventure, vous la vivrez sans moi, les amis. Je suis désolée. J'ai promis à Indiana que nous allions... Nous marier. Quoi? Alors tu vas y aller doucement, Junior, hein? Sinon je te laisse ici et je quitte cette planète. Pardonne mon enthousiasme, Lara. Lara. Je sais, vous allez me manquer tous les deux. Vous avez intérêt de revenir avec des histoires au moins presque aussi belles que celles qu'on a vécues ensemble. Mais, et si jamais on doit lire des dessins rigolos? Ou bien faire sauter des trucs? Vous vous débrouillerez, j'en suis sûre. Oh, frangin, tu vas me manquer. Le monde est trop petit pour nous deux, Flag, mais pas l'univers. Dundee... Et qu'est-ce qu'il y a, mon petit prince? Tu te souviens de ce que tu m'as dit sur l'aventure? Sur les choses que je devais découvrir? Ouais. J'ai encore tant de choses que, sur Terre, je n'ai pas pu voir. De grands navires pénétrant le port d'Alexandrie. Les rayons fabuleux brillaient dans l'ombre de la nuit boréale. Tous ces moments se perdraient dans l'oubli. Si je n'en profitais pas une fois dans ma vie... Hey, ce regard dans tes yeux, je le vois maintenant. Un vrai maharaja aventurier en herbe. Et puis... Bon, on va y aller, les amis, non? Dundee, je rêve ou bien tu vas te mettre à... Entrez dans le vaisseau. Notre voyage va commencer. Dundee Flagada, profitez bien. Vous aussi, à bientôt, les amis. À bientôt. À bientôt. Notre nouvelle équipe n'imagine pas encore à quel point ce voyage sera tout sauf rapide. Une nouvelle aventure, de nouvelles découvertes et de nouvelles chansons provenant des quatre coins de l'univers risquent de retarder le retour des aventuriers sur notre belle planète bleue. S'ils arrivent à la quitter, bien évidemment. Vous êtes vraiment sûr de ne pas savoir comment faire décoller ce vaisseau? Ce n'est pas que je ne sais pas le faire. Je ne peux pas le faire seul. Moi ? Remarquez, elle est vraiment bizarre cette salle de pilotage. Il y a juste ce truc au milieu. Pas de panneau de contrôle, de bouton rouge ou de commande des explosifs. Mais c'est vrai ça ? Comment on va le diriger, votre dirigeable ? Il se dirige automatiquement. Il ne lui manque que l'énergie nécessaire pour le faire fonctionner. Ce truc au milieu, c'est le collecteur, c'est ça ? L'énergie pour le faire fonctionner ? T'es une fanfon, mes amis. Ouh. Oh, bien vu, Tigre. Ça m'aurait étonné. Exactement, Tigre sacré.
Avez-vous une idée de celle que vous allez utiliser? Oh que oui! Moi aussi! Pareil! Je crois que je vois aussi... Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4! Les Aventuriers, une saga MP3 du studio TJP. Les Aventuriers, wow! Ouais! C'est nous, wow! Les Aventuriers!